mettez des milliers à regarder notre émission Artisans de France sur les ébénistes, vous serez des milliers à découvrir notre nouvelle émission sur la gastronomie française et son fleuron, les cuisiniers. À bientôt. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons découvrir le métier de la cuisine. Notre ami Dominique nous accueille au restaurant Les Ronchons. Suivez-moi. Alors nous arrivons à la cuisine. À la cuisine, nous voyons le chef. Bonjour Patrick. Bonjour, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, tu vas nous expliquer la cuisine, d'accord, ce que c'est, ton métier. Donc tu nous suis au bar, ça sera plus sympathique pour l'entretien. Pas de problème. On retourne au bar. Ben, mon cher Patrick, nous nous retrouvons avec plaisir. Donc la première question que je te pose, c'est un petit peu, c'est comment tu es devenu cuisinier? Mes parents avaient un couple d'amis restaurateurs. Donc depuis tout petit, j'ai traîné un petit peu dans les cuisines. Et puis bon, ça m'a donné envie. Je regardais, j'étais là pendant le service, j'étais... Et donc depuis tout petit, j'ai vu ça et ça m'a vraiment donné envie. Et en plus, donc j'ai un frère qui est chef de cuisine aussi, qui est passé avant moi et puis ça m'a... Voilà, ça... Oui, mais je veux dire, dans ton parcours, je veux dire, entre l'envie de faire de la cuisine et de passer à l'acte, ça consiste en quoi? Vocation familiale. C'est-à-dire, c'est rentrer dans une... C'est de choisir une école, c'est d'être dans un lycée professionnel. Oui, alors, donc d'abord, voilà, j'ai fait un lycée professionnel, oui. Voilà. J'ai fait un lycée professionnel, donc c'était à Moulins, dans l'Allier. Et ensuite, donc à l'issue d'un CAP, d'un BEP, donc j'ai fait une première saison sur l'île de Porquerolles. Et ensuite, j'ai eu la chance de rentrer tout de suite... Avec ton CAP. Voilà, CAP-BEP. Ouais. Et après, j'ai eu l'occasion de rentrer tout de suite dans un étoilé Michelin. Donc, comme commis de cuisine, on commence toujours par commis de cuisine. D'accord. À partir du moment où on a son diplôme. Juste voilà. Pour précision, combien de temps ça dure, un CAP-BEP? Alors, c'est en 2 ans. En deux ans, mais à l'école à plein temps, avec uniquement un... Bonjour. Ah bah, justement, bonjour. Voilà Dominique, bonjour, le patron du restaurant, qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Dominique. Bonjour monsieur. Bonne émission. Je vous laisse dans votre restaurant. Bonjour. Alors donc, on disait un CAP-BEP, 2 ans. Voilà, c'est après la troisième. Voilà, Après la troisième, donc c'est 2 ans d'école à plein temps. Voilà. Avec des cours de pratique. Mais alors, 2 ans à plein temps en alternance dans un restaurant ou 2 ans non, à plein temps à l'école, dans lequel on a un atelier de cuisine. Voilà. Donc, on a des cours de pratique, on a un restaurant d'application et on fait vraiment la cuisine. Et dans pour ces les clients. Fameux restaurants d'application, les clients peuvent venir et tester. Voilà, les clients viennent de l'extérieur. Ce que dans une certaine émission, là où on ne défend pas le français, on appelle des dégustants. Oui. Mais l'enseignement. Il est sur les pratiques élémentaires et nécessaires à la cuisine. Voilà, tout à fait, oui. C'est pas des trucs très élaborés. Disons qu'il y a des plats pour le CAP spécifiques. Voilà, d'accord. Qui se retrouvent en permanence et qui permettent d'acquérir un maximum de techniques différentes. Il y a un certain nombre de plats incontournables. Voilà, tout à fait. Dans lequel tu apprends la base du métier. Voilà, on apprend tout. Les classiques, les fondamentaux. Voilà, toutes les pâtes, toutes les sauces, les entrées, les plats, les desserts, les poissons, désosser des viandes, lever des poissons. Toutes les techniques indispensables. Indispensables, oui. Voilà. Et ça correspond vraiment à la réalité du restaurant dans lequel on est amené à travailler. Tout à fait. D'accord. Si c'est un restaurant... Ce n'est pas purement dans un restaurant classique. Après, maintenant, il y a de plus en plus de restaurants qui achètent des choses toutes faites. Ça, c'est un autre débat. Voilà. C'est un autre débat. Après. Mais donc, tu considères qu'au bout de 2 ans de... Non, parce qu'il y a CAP plus BEP. Oui. Donc, entre le CAP et le BEP, tu as encore une année. Non, c'est les 2 ans, on passe les 2 en même temps. Ah, c'est les 2 en même temps. Voilà, tout d'accord. À fait. D'accord. Donc, ça fait la troisième. Donc, les techniques de base, selon toi, te permettent de pouvoir rentrer dans n'importe quel restaurant. Comme commis. Disons qu'on connaît les techniques, mais on ne les maîtrise pas. Voilà, d'accord. Okay. On ne les maîtrise pas complètement. Donc la pratique va commencer quand tu vas commencer à travailler. Voilà, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc ça nous fait à quel âge tu es rentré dans ton premier restaurant en sortant? Alors j'avais 17 ans. Tu avais 17 ans. J'avais 17 ans. Comme commis. Voilà. Raconte-nous ta première expérience. Eh bien, c'était sur l'île de Porquerolles. C'était un petit hôtel où on faisait que du frais. Que du frais. Et donc on était 2 commis en cuisine plus le chef. Ouais. Et le premier week-end où je suis arrivé, on avait un buffet pour 250 personnes. Ah, d'accord. On a connu pire comme expérience et comme cadre. Avec un petit déjeuner sur le port le lendemain matin, tout. C'était sympa, quoi. C'était une bonne expérience. Et la première impression en arrivant dans un vrai restaurant, en sortant de l'école. Je me sentais vraiment débordé. Oui. Ouais. Ah ouais. On sent vraiment perdu. C'est pour ça que le côté apprentissage en alternance, c'est bien parce qu'on a déjà l'habitude de l'entreprise. Ah oui, d'accord. Parce que là. Ce que toi, tu n'as pas connu. Voilà. Uniquement 2 mois de stage entre les 2 années d'école hôtelière.
C'est oui, mais dans le cursus tel qu'il est prévu, l'alternance, elle est faite pour des gens qui veulent changer de métier, qui veulent réapprendre un métier. Non, etc. Pas spécialement. Non, pas spécialement. Non. Le CAP, par exemple, on peut rentrer en CAP après la 5e, par exemple. Et donc, en général, ça se fait plutôt. Enfin, ça se fait peut-être en 2 ans maintenant, mais avant, ça se faisait en 3 ans. Ouais. Et c'était. C'était. Il faut dire qu'on revient à ce que tu disais la dernière fois, c'est que Pompidou, il a monté l'obligation d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Oui. Ce qui fait que ça a bousillé tout ce qui était l'apprentissage, où les gamins, il y allaient à 14 ans. Voilà, c'était 14 ans. Dès 14 ans. Ouais. Et d'ailleurs, toi, tu n'as pas été une victime de la loi Pompidou. Pas du tout. Bon. Non, alors, après, donc, on te retrouve à ton premier restaurant. Voilà, donc là j'ai fait une saison donc, sur l'île de Porquerolles. Une seule saison et, oui, une saison d'été. Et ensuite je suis rentré à donc, fin de l'année 85. Je suis rentré dans un atelier Michelin à Vichy, comme commis de cuisine. Alors qu'est-ce que c'est qu'un atelier Michelin? Un étoilé Michelin. Voilà. Donc il y avait un macaron Michelin. Donc j'ai travaillé là 2 ans. Et là tu étais quoi? Là j'étais commis de cuisine. Commis de cuisine. Voilà, donc il y avait 2 commis, 2 apprentis et le chef. Voilà, donc on était. Et ça consiste en quoi quand tu es commis de cuisine? Ça dépend. Par exemple, là dans ce restaurant, vu qu'il n'y avait pas de chef, il y avait pas une brigade complète, donc il n'y avait pas de chef de partie, il n'y avait pas de second, il n'y avait pas de demi-chef de partie. Ouais. Donc en fait, je tenais le rôle d'un chef de partie. Je m'occupais du chaud, de tout le chaud. De tout le chaud? Voilà. Ah oui, d'accord. Et l'autre commis s'occupait de tout le froid. On avait chacun un apprenti avec nous pour nous aider. Ah oui. Et le chef supervisait. Voilà. Ah d'accord. Et le chef, il met pas la main à la pâte? Si. Il supervisait, il nous donne pas trop pour la mise en place, c'est-à-dire le matin pour les préparations, mais principalement pour le service. Pour le service. Voilà. D'accord. Et donc ça, t'es resté... Donc là, je suis resté un petit peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. Ensuite, je suis parti à l'armée. Tu finis ton service militaire. Voilà. Donc ensuite, je suis rentré à nouveau comme commis dans un autre restaurant étoilé Michelin de Vichy. Là, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi. Ensuite, bon, malheureusement, le restaurant a coulé. Donc, pas du fait de ta rentrée dans les cuisines. J'espère pas. Donc là, on était plus nombreux quand même. L'été, on était 15. Ah ouais. Donc là, il y avait bien les parties. Il y avait bien le garde-manger, c'est-à-dire la partie qui s'occupe des entrées. Ouais. Le poisson. Ouais. La viande qui s'occupe des viandes et des sauces. Ouais. Et la pâtisserie. Ah oui, d'accord. Donc il y avait 3 pâtissiers, 3 personnes à la viande, 3 personnes au poisson, 3 personnes au garde-manger. C'était déjà plus hiérarchisé. Voilà, tout à fait. Très structuré. Et le chef. Et le second, en fait, il avait le rôle de chef de partie à la viande. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais donc c'était plus structuré. Et alors ça n'a rien à voir, mais pourquoi ça a déposé le bilan mauvaise parce gestion. Qu'à Vichy, on n'avait pas une clientèle suffisante en quantité. En plus, il y avait un hôtel 4 étoiles. Et on avait pris un macaron Michelin dans le restaurant pendant que j'y étais, la 2e année où j'étais là. Et puis petit à petit, ça, la clientèle a diminué. Quoi. Comment est-ce qu'on passe d'une maison à une autre? Comment t'es passé d'une maison à une autre, je veux dire On cherche, bon, moi j'ai un petit peu de chance parce que ma mère avait une agence immobilière à Vichy. Ah oui, d'accord. Et en fait, louer le logement du chef du Pédon Sévigné, qui était le 2e restaurant où je suis rentré. Mais après Vichy, t'as fait quoi? Alors ensuite, je suis parti en principauté d'Andorre. Et comment t'as trouvé le business? Alors ça, c'est mon premier patron qui avait aussi coulé son restaurant, oui, qui avait trouvé cette place de chef en Andorre. Et vu que c'était au moment où nous, on coulait aussi, ouais. Il m'a proposé de venir avec lui comme second. Non, mais ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que... dans le métier, les relations et le bouche à oreille marchent bien. Voilà, ça marche bien. On a un journal spécialisé qui s'appelle l'hôtellerie, ouais. Où il y a en permanence des annonces, des offres d'emploi. D'accord, ok. Voilà. Donc tu es parti à Andorre. Voilà, comme second. Dans une zone. Dans un hôtel 5 étoiles, c'était. Une fiscalité bienveillante. Voilà, oui. Alors là, j'ai triplé le salaire, net d'impôts, étant nourri, logé, blanchi. Ah, d'accord, ok. Et t'es pas resté. Non, on est resté un an, en fait. Et... Alors est-ce que dans ton métier, les relations qu'on noue à l'école. Et après, peuvent servir à faire un peu du réseautage. Oui, tout à fait, oui. Bon, enfin, après surtout. Mais après, surtout. Les gens de l'école, il y en a beaucoup qui arrêtent. Je ne sais pas, sur une classe de 30, on est peut-être 10, 12 à avoir continué le métier. Ah oui, oui. Déjà. Et vous êtes toujours en relation? Par les réseaux sociaux, éventuellement par les copains d'avant. Non, mais c'est plutôt par le boulot. Quoi. Et après, par le boulot, on se perd quand même de vue, parce qu'on perd en parlant. Non, mais ce que je veux dire, c'est en travaillant, tu rencontres des gens. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et ainsi de suite, et après, ça fait boule de neige. Oui. Ah, bah, alors, donc, on en était à l'Andorre. Tu te rappelles de moi, j'ai un petit à placer, tu dois le prendre, ou voilà. Et donc, en Andorre, ton 5 étoiles. Donc là, on est resté un an, toute l'équipe. Et ensuite, donc on est parti, j'ai retrouvé une place à Paris, comme chef de partie. Donc, un restaurant qui s'appelle Loulette. Et donc je suis resté 2 ans, et ensuite avec mon frère on a décidé d'être installés tous les deux en province. Donc on a ouvert un restaurant en Charente-Maritime, entre Cognac et Royan.
Et là, bon, bah, on avait pris une étoile au Boutin Gourmand, un Bib Gourmand Guide Michelin, on avait 14 sur 20 Guanillo. Ah oui. Et puis on l'a tenu pendant 10 ans. Pendant 10 ans ? Dans un petit village de 1000 habitants. Ah oui, faut le faire. Et puis on en a eu un petit peu marre de la campagne, donc on a vendu, et puis voilà, on est parti. Moi, je suis remonté sur Paris. Donc j'ai travaillé ensuite pendant 5 ans comme chef au Moulin d'Orgemont, à Argenteuil. Et puis, bon, bah, après, je me suis lassé un petit peu, donc j'ai arrêté. Et puis, donc, je suis au Ronchon depuis 5 ans. Au Ronchon, d'accord. Voilà. Bien, on a donc vu ton parcours. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au métier. Tous les métiers, généralement, ont leurs propres instruments. Est-ce qu'en matière de cuisine, on retrouve le même phénomène ? Est-ce que chaque cuisinier vient avec ses instruments, mais lesquels ? Alors, principalement avec ses couteaux. Avec les couteaux. Voilà, éventuellement des petits cercles, des petits emporte-pièces pour faire un petit peu des trucs un petit peu sympas. Mais autrement, tout le matériel est fourni par l'établissement dans lequel vous travaillez. Voilà. Donc, tout ce qui est les poêles, les casseroles, les machins. Et les couteaux ? Les couteaux, en général, sont personnels. C'est voilà. Qu'on achète quand on est apprenti et on continue avec, ou il y a une évolution Oh, ça dépend de la résistance des couteaux. Oui, il y a un ou deux couteaux que j'ai depuis 20 ans. Quoi. Mais comment, je veux dire, parce qu'il y a une infinité de couteaux, et on a vu débarquer ces dernières années, d'ailleurs, des couteaux avec des aciers japonais, qui sont d'ailleurs très bien. Là aussi, c'est quelque chose qui évolue beaucoup, qui évolue. Hein, Le monde du couteau. Ouais, mais moi je suis assez fidèle quand même. Moi je suis auvergnat, donc je suis assez fidèle à la coutellerie de Thiers. Ah, de Thiers, d'accord. Donc moi je reste sur Bargoin, sur Chevalier Ras, Sabatier, voilà. De Thiers d'ailleurs, il faut le souligner. J'espère qu'un jour d'ailleurs, on aura l'occasion de faire un sujet sur la coutellerie qui est quand même la capitale française de la coutellerie. La capitale et surtout l'un des derniers lieux où on fabrique encore des. Ouais. Des couteaux, alors... On a l'héritage et le savoir-faire de la coutellerie française. Voilà, tout à fait. Alors, j'ai des couteaux Bargoin, j'en ai encore un ou deux, là, que j'ai acheté en 89, après l'armée. Donc ça fait 26 ans, quoi. Patrick, maintenant, on va parler un peu de l'apprentissage, c'est-à-dire la génération qui nous suit. Comment on devient apprenti ? Comment toi, tu vois l'apprentissage ? Et comment on peut embaucher un apprenti ? Sur quels critères ? Alors, d'abord, le premier critère, c'est la motivation. Ça, c'est très, très important. Quelqu'un qui fait ça parce que c'était ça ou autre chose, moi ça m'intéresse pas. Moi je veux quelqu'un de motivé et qui a envie d'apprendre. Ça c'est vraiment indispensable, même s'il n'est pas très adroit de ses mains, il y arrivera toujours. S'il a la volonté d'apprendre, s'il est un petit peu gourmand, s'il aime manger, il arrivera toujours. Après, quelqu'un qui s'en fout, même s'il est un petit peu doué, ça m'intéresse pas. Moi c'est le numéro un, c'est vraiment la motivation. Et alors, est-ce que les écoles d'apprentissage vous démarchent régulièrement et vous proposent, j'allais dire, des gens de qualité ? Ou est-ce que non, par contre, nous démarchent pas. On ne démarche pas. C'est vraiment les candidats qui viennent, qui se déplacent et c'est eux qui trouvent les. Et vous avez beaucoup de demandes au restaurant Les Ronchons ? Très peu en ce moment. Et mais sinon, de manière générale, comment est le marché des cuisiniers en France actuellement ? Parce qu'on voit à la télévision, on fait la promotion de gens qui sont largement installés, et ça ne nous intéresse pas. Mais quelle est la situation des cuisiniers en France actuellement ? On sent quand même la crise. Victime de la grande distribution je pense, des mauvais restaurants, déjà. Ouais. Parce que le problème, c'est que n'importe qui peut ouvrir un restaurant à l'heure actuelle. Ouais. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'être du métier, il n'y a besoin de rien connaître. Ouais. Il y a des grandes surfaces alimentaires, de la restauration, comme Métro, par exemple, où on peut trouver de tout, tout près. Ouais. Donc en fait, on peut acheter un restaurant, prendre du personnel qui n'a jamais mis les pieds dans une cuisine et faire tourner ce restaurant. Ouais. Et en plus, financièrement, c'est plus avantageux. On fait des économies et en personnel et en prix parce que la qualité, ça se paye. Ouais. Voilà. Alors, on va embrayer là-dessus. Peux-tu nous parler de tes revenus ? Est-ce qu'un commis de cuisine qui débute peut gagner décemment sa vie après 2 ans d'apprentissage ? Ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu et monter dans la hiérarchie ? Alors, tout dépend du style de restauration. Après, par exemple, dans la restauration gastronomique, un commis de cuisine égale le SMIC. Ensuite, quand il se sent prêt à évoluer, parce qu'en fait, il n'y a pas de règles. Un commis peut dire, au bout de 3 ans, tiens, moi j'ai le niveau d'un chef de cuisine, je vais prendre une place de chef de cuisine. Ouais. Après, c'est à lui de prouver dans la place qui fait l'affaire ou qui ne fait pas l'affaire. Mais disons, il n'y a pas de règles. Donc en général, pour un restaurant gastronomique, par exemple, pour bien apprendre, il faut faire au moins 3 ans de commis. Ensuite, on postule une place de demi-chef de partie ou chef de partie. Ouais. Pareil, 3-4 ans, ensuite une place de second, même chose. Et en général, c'est bien changer de restaurant tous les 2 ans à peu près, justement pour apprendre différentes méthodes de cuisine. Et techniques, c'est ça. Différentes techniques,
différents goûts, différents, voilà. Et parce que par exemple, moi j'ai fait certaines boîtes où j'ai plus appris au niveau des assaisonnements, de la précision des cuissons, d'autres plus côté technique au niveau de la présentation, du travail, ouais. Voilà. Et donc en faisant le tour de tout ça, après on se forge une personnalité culinaire. Ouais, et ensuite, quand on est chef, on crée sa propre cuisine. D'accord. Voilà. Ouais. Et tu estimes à combien d'années d'apprentissage de métier et d'expérience pour avoir un vrai savoir-faire ? Oui, pour avoir une vraie maîtrise. Moi, je pense qu'il faut 7-8 ans quand même. Hein. Une dizaine d'années. Après son diplôme, oui. Oui, il faut une dizaine d'années. Tous les métiers, il faut une dizaine d'années. Et encore en travaillant avec des bons professionnels. C'est pareil, parce que bon, je parle en restauration gastronomique. Quoi. Bon, et tu peux nous dire un mot sur la restauration d'entreprise qui se développe énormément. Ouais. C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens sont de plus en plus pressés. Donc, ils ne rentrent pas chez eux, ils n'ont pas le temps d'attendre au restaurant. Ils peuvent pas boire, on ne peut plus boire d'alcool. Donc, tout ce qui est repas d'affaires, tout ça, comme il y avait avant, c'est terminé. Avec les grandes bouteilles de vin, les repas qui durent tout l'après-midi, ça, c'est terminé. Les gens sont pressés, donc voilà. Ils mangent sur place, ils ont leur petit plateau repas, il y a beaucoup de... Des entreprises comme ça qui se spécialisent là-dedans. Et on trouve quand même de la nourriture de qualité ou c'est... Je pense de plus en plus quand même, oui. Ouais, je pense qu'il y a un effort là-dessus et ben justement ce qui permet de fidéliser une clientèle. Alors pendant qu'on est dans la polémique, le label fait maison. Oui, alors ça, bon, moi pour moi c'est un petit peu... Ça part d'un bon sentiment, disons, mais il y a trop d'exceptions. Par exemple, quelque chose qui est semi-élaboré, il suffit de changer un petit truc pour que ça soit considéré comme fait maison. Donc ça, c'est... voilà. Par contre, quelque chose qui est très sérieux, c'est mettre un restaurateur. Alors, là, parle-nous du maître restaurateur. Donc, il y a un cahier des charges qui est très, très strict. Et là, vous avez vraiment... Il faut prendre des produits bruts qui sont travaillés, vraiment du produit brut à l'assiette, que du produit frais. Et il y a un cahier des charges assez sévère là-dessus. Et maître restaurateur, vous pouvez rentrer et on le trouve vraiment en toute confiance. Et on le trouve sur la vitrine. Voilà, tout à fait. C'est marqué sur la... C'est un milieu, moi, je trouve aussi, la cuisine actuellement... je le vois à travers ce qu'on appelle le fooding. Oui. C'est un milieu aussi où il y a pas mal d'imagination. Oui, exactement. Parce que c'est vrai qu'il y a eu la bistronomie qui a été inaugurée avec des gens comme The Board. Voilà, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on voit quelque chose qui m'amuse beaucoup, dont en Occident, on n'est pas du tout coutumier d'ailleurs, qui est la cuisine de rue. Oui. Chose qu'on trouve en Asie. Ouais. Alors aujourd'hui, on voit arriver une cuisine de rue avec ce qu'on appelle les food trucks. Voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Alors avec des gens qui se mettent à faire du hamburger, parce que voilà. Il faut quand même dire ce qui est. L'hamburger gastronomique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens et les gamins surtout, bon, McDo, hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire quand tu vois le résultat du McDo. Bon, mais alors là, on est devant un phénomène de gens qui réinventent le hamburger, mais de qualité. Voilà, tout à fait. Ouais. Et dans un camion. Alors, pour rester dans la polémique, est-ce que tu penses que le fait que les restaurants McDonald's soient effectivement des restaurants, c'est une bonne idée ? Oui, de toute façon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Voilà. Oui, non, mais de toute façon, il y a la place pour tout le monde à partir du moment où le travail est fait sérieusement. Ouais. Après, bon, on est quand même ralenti par la crise. Ça, faut le reconnaître. Ouais. Mais bon, après, les meilleurs s'en sortiront toujours. Hein. Mais est-ce que tu conseillerais... Mais par contre, faut pas rogner sur la qualité, faut accepter d'investir dans des bons produits pour avoir le retour. De toute façon, il y aura toujours, je pense, en France, de la place pour des gens qui font un travail de qualité. Oui, oui, heureusement. Mais alors, le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. Est-ce que tu donnerais comme conseil à un de tes amis de mettre son fils ou sa fille en restauration ? Oui, en restauration. Par contre, je ne conseillerais pas à un apprenti de s'installer à l'heure actuelle. Oui. Ah, d'accord. Et de partir à l'étranger ? Oui, pourquoi pas, mais disons, bon, on est bien en France, quoi. Oui, bien sûr. Et est-ce que la gastronomie française, toi qui voyages un peu, a toujours bonne réputation dans le monde ? Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oui, quoi qu'on en dise, on reste toujours... Mais disons qu'un apprenti, moi je lui conseillais de se faire une bonne formation. S'il arrive à rentrer dans un étoilé Michelin ou avec un bon chef, comme l'apprenti que j'avais dernièrement, qui est rentré à l'Intercontinental à Opéra, qui est un chef qui est meilleur ouvrier de France, moi je lui conseille maintenant de rester dans cette filière, de se faire une bonne formation et après trouver une bonne place de chef. Mais pas de s'installer, pas à l'heure actuelle. Ouais. D'ailleurs, je pense que le marché va s'épurer, que les mauvais restaurateurs, entre parenthèses... Ouais. Bon... Ben, ça fait longtemps que ça doit s'épurer, ils existent toujours. Hein. Est-ce que tu crois, parce qu'on voit beaucoup, est-ce que tous les reportages qu'on voit sur les grands chefs, est-ce que tu crois que c'est leur intérêt primordial, ça serait de faire rêver et donc d'amener Les jeunes à rentrer dans la restauration. À rentrer dans la restauration. Oui, tout à fait. Ouais.
C'est quand même un peu le but de l'opération. Ouais. Et est-ce que tu penses que ces fameuses émissions qu'on voit sur certaines télévisions peuvent vraiment donner envie? Est-ce que c'est le reflet de la réalité de l'apprentissage en cuisine? Alors, donner envie, oui. Est-ce que c'est le reflet? Pas tout à fait. Pas vraiment. Parce que, bon, on fait voir, voilà. Alors, en cuisine, on ne fait pas que de la cuisine. En cuisine, on fait du nettoyage. Oui. On fait la vaisselle. On fait, voilà, tout ça. On n'a pas toujours, l'épluchage des légumes. On n'a pas toujours un plongeur. On n'a pas toujours des apprentis avec nous. Des fois, on fait tout. Voilà, de A à Z. Et la polémique on fait la plonge, chefs, on fait les nettoyages, on épluche les légumes. Et la polémique sur les chefs qui maltraitent leurs employés, leurs apprentis, leurs commis. Oui, maltraiter, c'est un grand mot quand même, mais bon, un coup de pied aux fesses, ça n'a jamais fait de mal. Quoi. Ça a toujours été comme ça. Et bon, le fait de rudoyer l'apprenti, c'est pas non plus le torturer. Après, si ça rentre pas par les oreilles, il faut que ça rentre ailleurs. Quoi. C'est l'aide pédagogique numéro un, le coup de poing. Voilà, non, mais bon, on a tellement de pression aussi. Pendant le service, on a la pression des clients qui veulent manger bien, qui veulent manger vite. Et c'est vrai qu'on est souvent, on est toujours sur les nerfs, et des fois, le moindre petit truc de travers nous fait dégoupiller. Ouais. Surtout quand on sait, bon, un petit qui arrive et tout, qui sait pas travailler, qui commence juste, on va être cool avec lui. Par contre, quelqu'un où on sait qu'il va pouvoir faire, mais qui le fait mal par négligence ou par... Voilà, là, c'est vrai qu'on découpe... Ah, nous sommes quand même dans un pays où plus de 50% des gens sont pour la fessée. Oui. Non, mais ça va qui doit s'appliquer dans les cuisines. Alors, maintenant que nous sommes revenus dans la cuisine, Patrick va nous préparer en direct. Tu peux nous expliquer. Voilà, donc ça, c'est une petite selle d'agneau, une demi-selle d'agneau. En fait, je récupère les panoufles, qui sont les parties extérieures, pour faire un jus d'agneau. Donc, toutes les sauces et tous les jus, tout est fait maison. Tous les fonds de sauce, tout est fait maison. Je fais des fonds de volaille avec des carcasses de volaille. Et ensuite, selon les ingrédients que je vais travailler, je fais des fonds de la viande correspondante. Alors, au passage, je peux remarquer que tu as effectivement tes couteaux. Voilà, tout à fait. Ton matériel. Voilà. Qui te suit depuis que tu es apprenti. Pas tout à fait, mais depuis une grosse vingtaine d'années. Des gros couteaux de chez Thiers. Voilà. De la coutellerie française. Voilà. Du Bargoin. Encore du Bargoin. Voilà. Ici, je suppose que c'est l'essentiel de ta préparation. Voilà, donc j'ai différentes huiles, les assaisonnements, le petit piment d'Espelette. De l'huile de truffe, très très parfumée. Là, tu as tous tes petits ingrédients. Voilà, tout à fait. Tout ce qui me sert pour le service. Mes cuillères pour goûter. Ma petite poubelle. Et c'est parti pour le petit jus d'agneau. Donc, ta selle d'agneau qui vient d'un agneau français, de ton boucher. Tout à fait. Qui est la boucherie première. Qui te livre tous les matins. Tout à fait. Très bien. Donc, les petites parures d'agneau. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive dans ma casserole. Je vais mettre mes morceaux d'agneau et je vais bien les faire colorer pour que les sucres se déposent au fond de la casserole et que je puisse les déglacer ensuite avec l'eau, ce qui va donner tout le goût au jus. Ah d'accord, alors là il faut combien de temps à peu près? Alors là qu'il soit très coloré, très doré, faut une dizaine de minutes quand même. Hein. Ça a l'air déjà très goûteux. Voilà, tout à fait. Surtout l'agneau, c'est très très parfumé. Donc pendant ce temps, je vais préparer une petite garniture aromatique. Donc là, pour la quantité, je vais mettre une carotte. Alors au passage, je remarque les produits frais livrés dans la journée. Hein, ça, c'est au restaurant Les Ronchons, on ne fait que du frais. Tomates, livraison, ça a été fait ce matin. Alors là, tu vas éplucher ton petit oignon. Voilà, tout à fait. Alors d'habitude, tu as une apprentie qui s'en occupe ou c'est toujours toi qui... En ce moment, c'est toujours moi, mais c'est vrai quand j'ai une apprentie... Les apprentis, au début, on leur fait faire l'épluche. Déjà, ça nous fait gagner du temps. C'est économe. Ensuite, je coupe en gros morceaux, parce que la cuisson va être longue. Donc, plus la cuisson est longue, plus on coupe les légumes gros, pour qu'ils aient le temps de développer tout leur parfum. Voilà, en gros cubes. Et pendant ce temps-là, ton agneau continue de se préparer. Voilà, bien isolé. Ouais, tu sens déjà le parfum. Toujours jouer avec la puissance du feu. D'où l'importance d'avoir du bon matériel, notamment un bon piano. Voilà. Et moi, personnellement, je préfère les feux vifs aux plaques électriques, aux plaques induction, choses comme ça. Je trouve qu'on peut mieux gérer la cuisson, en fait.
Voilà, donc je prends un petit peu d'ail. Alors, comme en ce moment je suis tout seul, je prends de l'ail frais mais déjà épluché pour un gain de temps. Donc ça, c'est de l'ail fraîche. De l'ail frais épluché. Qui est déjà épluché. On reste dans les produits frais. Que je prends aussi chez le primeur. Bon, ok, d'accord. Voilà. Et là, tu es en train de nous préparer. Voilà, donc c'est la garniture aromatique. La garniture aromatique. Pour rajouter au jus d'agneau. Donc là, je l'écrase un petit peu. Donc, faut pas hésiter, l'agneau hein, sur l'ail, également sur le thym que je vais rajouter ensuite. C'est vraiment des parfums qui vont très bien avec l'agneau. Voilà, donc le thym, je l'ai reçu ce matin. Les produits frais, toujours. Du bon thym frais. Voilà. On va pas hésiter. Je vais passer un petit peu sous l'eau. Voilà. Et pendant ce temps-là, ton agneau continue de déglacer. Voilà. De rissoler. Déjà, ça sent bon. Ouais. Là, on va laisser encore bien les sucres. On ne voit pas la caméra, on ne peut pas sentir l'odeur, mais c'est excellent. Il y a les sucres collés au fond de la casserole. C'est vraiment tout ce qui va donner le parfum. Et derrière, alors je suis en train de blanchir donc des carcasses de volaille pour faire une gelée ensuite. Donc ça s'appelle un fond blanc. Donc là, j'ai démarré à l'eau froide, j'ai porté ébullition. Et toute l'écume, ça va être toutes les impuretés en fait qui vont remonter en surface. Donc je vais la retirer. Et quand ça sera bien épuré, je rajouterai aussi une garniture aromatique, mais là en laissant les légumes entiers, parce que l'action va être très longue. Un petit peu de sel et jette sur le coin du fourneau toute la journée. D'accord, et demain tu auras. Demain je refais bouillir, je passe au chinois, et là je vais faire une clarification. Pour avoir une gelée très transparente. C'est-à-dire on rajoute un petit peu de blanc d'œuf battu dedans, des légumes coupés en tout petits morceaux, un petit peu de viande hachée. Et on aspire sur le coin, et là toutes les impuretés vont se coller au blanc d'œuf. Et on aura un bouillon très clair qu'on collera ensuite à la gélatine pour avoir une gelée. Voilà. Et la gelée, tu t'en sers pour quoi exactement? Alors la gelée, ça va être pour mettre avec le foie gras, noix. Par exemple. Actuellement. Voilà. Tout à fait. Le foie gras que vous pouvez acheter au ronchon. Voilà, tout à fait. Par 100 grammes. Donc là, on va passer à la. Voilà, donc je mets tout en même temps. Hein. À la jardinière aromatique. Je mets tout dedans. Voilà. Et là, le temps de cuisson, c'est environ. Oh, bah là, le temps que les légumes suent un peu, on a un petit peu de revégétation. Ensuite, je vais mettre une petite pointe de farine pour la liaison, un petit peu de tomate concentrée, je vais mouiller avec de l'eau, un petit peu de gros sel, et on va laisser cuire toute la journée. Voilà. Et ça fera une superbe sel d'agneau pour demain. Voilà, tout à fait. Donc ensuite, je passerai le jus dans un chinois, je ferai réduire pour encore bien concentrer les goûts, et je rajouterai un petit peu d'huile de truffe dedans, et quelques cruches concassées. Voilà. Et ça sera au menu de demain. Tout à fait. Du restaurant Les Rochers. Avec un petit flan de céleri à la truffe également. Donc Patrick vient de nous montrer son savoir-faire en cuisine. C'est simple, rapide, efficace, ce qui est la marque des gens qui savent faire. Ça a toujours l'air simple, bien que ça soit des années de travail et de métier. Maintenant, nous allons repasser voir Monsieur Dominique, qui est le patron de l'établissement, qui va nous expliquer un peu la gestion d'un restaurant. Suivez-moi. Donc après la cuisine de Patrick, nous passons au bureau pour voir le patron du restaurant, Dominique. Suivez-moi. Alors Dominique, bonjour. Bonjour monsieur Pierre. On vient te déranger dans ton établissement. Est-ce que tu pourrais nous présenter en deux mots ton établissement, le restaurant Les Ronchons, bien connu de nos amis? On a ouvert ce restaurant avec mon frère en 2005. Le but était de proposer des produits frais, réalisés à la maison, et avoir des vins de propriétaires en direct, pas travailler avec les gros consortiums habituels. On a réussi à s'entourer de personnel, notamment du chef, qui lui est très, très bon, qui avait eu jadis un macaron Michelin, même en province, et qui se débrouille très bien pour sortir des tas de plats, des grands classiques de la gastronomie française, mais aussi des produits arrivés à moderniser les choses, les rendre un peu plus légères, c'est-à-dire garder des vieilles recettes, mais en les rendant, donnant un petit peu à la mode du jour. Grosso modo, peux-tu nous parler un peu de l'état de la restauration actuellement en France, en particulier sur Paris ?
La restauration, à mon avis, ne se porte pas très bien des échos que j'ai. Ce que je connais, c'est surtout à Paris, parce que c'est là que j'ai quelques copains qui font le même métier. Globalement, tout le monde tire la langue en ce moment. La dépense de restaurant, c'est pas quelque chose d'indispensable. Faut d'abord payer le loyer, faut payer l'école des gosses, il faut payer un certain nombre de choses. Le restaurant, ça reste quand même un luxe qui vient après. Donc quand il s'agit de faire des coupes claires dans les budgets, ben, on commence par le faire sur des choses annexes comme ça. Alors, est-ce que tu penses que la restauration, pour des jeunes gens qui veulent s'installer, est encore un métier d'avenir ? Ça, c'est une bonne question. C'est un métier qui, à mon avis, est passionnant, mais il faut arriver à trouver un bon créneau. Il faut se démarquer des autres et il faut avoir un emplacement qui soit bon. Il faut avoir du passage et ensuite être dans un bon créneau. Donc, c'est pas simple, mais c'est jouable. Donc tu conseillerais à des gens passionnés de s'installer, malgré le fait que la restauration est devenue un métier assez difficile. Oui, je pourrais le recommander. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut en aucune manière se tromper sur un certain nombre d'éléments, sinon on court au casse-pipe. Alors, pour rebondir sur les problèmes actuels du RSI, est-ce que tu estimes, toi, en tant que patron de restaurant, d'avoir trop de charges, trop de problèmes administratifs, des problèmes avec l'hygiène et des problèmes en général avec la réglementation ? Alors, dans l'ordre, du point de vue fiscal au sens large du terme, c'est-à-dire fiscalité et charges, la fiscalité est pas, serait pas un problème en soi si elle était constante. On avait dans le temps une TVA à 20%, elle a été ramenée à 7%, elle a été remontée à 10%, c'est le souk, ça change tout le temps. Il ne faut pas oublier en plus qu'on a deux taux de TVA, parce que quand on annonce qu'il y a une baisse de la TVA sur les restaurants, ça ne touche que l'alimentaire. Tout ce qui est vin, et alcool en général, mais c'est le vin, lui reste à 20% de toute façon. Bon. Maintenant, la TVA, si au moins on arrivait à stabiliser des taux, ça serait quand même plus simple. Quand il y a eu les grandes manifestations des restaurateurs à l'époque pour baisser la TVA, moi, je n'étais pas particulièrement favorable à ça, parce que je pense que c'est un impôt qui est progressif. Et s'il était un peu trop élevé, c'est vrai, mais ce n'était pas là, à mon avis, que le bas blessait le plus. Le problème, c'est les charges sur les salaires qui sont un massacre. Quand on donne 1 euro à un employé, ça en coûte 2. Et quand tous les trimestres tombent la facture des charges sociales, l'URSSAF, les caisses de retraite et compagnie, là, c'est à chaque fois, c'est la cabane qui tombe sur le chien. C'est une catastrophe. Ça, c'est un problème majeur. Sur les normes, ils nous en collent de plus en plus. Et c'est effectivement assez usant. Et l'hygiène, ça dépend du type d'inspecteur sur lequel vous tombez. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des types qui ont été assez réglo et qui ont compris que si on veut être d'équerre sur tout, bon, il faut avoir plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros devant soi pour pouvoir tout faire tel que ça doit être dans la règle. Heureusement, les inspecteurs de l'hygiène, auxquels moi j'ai eu affaire en tout cas, sont plutôt pas trop tartignoles et ont reconnu que, effectivement, quand ils voient d'un contrôle à l'autre qu'on a fait des choses, qu'on a fait des efforts, ils en sont conscients et ils ne sont pas trop enquiquinants après. Alors, pour rebondir sur les charges et sur le métier en général, est-ce que tu as des problèmes de recrutement ? Je parle pour trouver des apprentis, c'est-à-dire la génération qui monte. Oui, ça, c'est pas facile. Les apprentis, il y a de l'offre, mais on en a eu pas mal qui nous ont créé un certain nombre de soucis. A contrario, il y a eu quelques-uns qui ont été absolument formidables. Je dois reconnaître que là où on a eu le plus de bonnes surprises, c'est avec des filles qui sont plus sérieuses, plus fiables. Et notamment deux qu'on a eues dans les dernières années, qui étaient absolument remarquables, qui s'intéressaient à ce qu'elles faisaient, et ça a été un vrai plaisir. Et en conclusion, tenir un restaurant, c'est un problème. Tenir un restaurant, c'est pas simple, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est vraiment, on fait pas grand-chose pour nous simplifier la vie. Voilà. Donc c'est un métier de passionné. Oui. Faut aimer ça. Faut rêver de cuisine, faut rêver de petits plats, faut rêver de belles bouteilles. Et après, on fait avec pour le reste.
mais on préférerait que ça soit un peu plus facile à faire. Globalement, tes clients sont satisfaits, l'établissement tourne bien, oui. Si ce n'est tous ces problèmes typiquement français, en particulier administratif. Ah ben ça, c'est toujours la même chose. La quantité de paperasse qu'il y a à remplir, les machins, j'ai encore reçu à recommander, parce que j'avais oublié le machin de la médecine du travail qui vient me casser les pieds, et j'ai oublié leur truc. Bon, c'est tout le temps. Les nouveaux paperasse à remplir. Nous remercions Dominique de nous avoir accueillis dans son établissement. Mais c'est moi qui vous remercie d'être venu. Et nous lui souhaitons une bonne continuation. Et à vous aussi. Il me reste plus qu'à souhaiter un bon appétit à Patrick. Bon appétit, Pierre. Et merci les ronchons. Et merci les ronchons. À bientôt, ronchons, merci beaucoup.